My love. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle. Musique que j'aime. Bon, salut, c'est Dims. J'ai un artiste de 22 ans, hip-hop, rap, des Yvelines, de la ville de Poissy. Voilà, issu du collectif Monkey, qui rassemble des artistes, donc rappeurs aussi, des photographes et caméramans. Car j'ai commencé à écrire, elle inspire à fuser. Yeah. Je m'y jette un texte, ouais, là je suis en cuisine. Y'a pas assez de piment, c'est le stylo qu'il faut accuser. Bah, au niveau de l'écriture, au départ quand j'ai commencé c'était plus j'écrivais quand je pouvais, j'écrivais des petites rimes histoire de m'exercer. Comme la phrase de l'archiduchesse, car j'écoute du tout et le n'importe quoi des sons. Ouais, au niveau des instrus, bah, au départ c'était surtout des phases B, c'est-à-dire des trucs que je reprenais, par exemple de morceaux connus US pour la plupart. Ouais, comme j'ai repris, il y avait une chanson qui s'appelle Le Rap Me Soul, que j'ai fait un clip d'ailleurs de Miguel, c'est un artiste R&B américain. L'homme qui lui mettra la bague autour de la clé de sol, yeah. My love. Comme d'hab dans ma tête, tous ces mots font nananana. Je vise les pyramides sans être signé chez Rockefeller. Même bon, au niveau des thèmes, ça dépend. Ça va être parce que je rappe vraiment ce que je ressens, ou j'écris vraiment ce que je ressens. Donc franchement, ça peut être parler de notre génération en général, de parler de surtout de notre génération, de parler des fois de ce qui va se passer dans le monde en général. Ça va être aussi des thèmes, ça peut être sur l'amour aussi, parce que dans le rap, on parle d'amour aussi. Les geeks s'en sortent, si toi aussi la zig t'emporte. Lève la main, bouge la tête et suis le tempo. Oh oh, si tu me vois, check moi. Au niveau des influences, moi c'est très varié. Parce que, on va dire, quand j'étais petit, j'écoutais pas que du rap. Bah, j'ai commencé par écouter, comme tout le monde, des chansons que mes parents écoutaient. Donc, c'était beaucoup de soul, jazz. Aujourd'hui, moi ce qui m'inspire dans ma musique, on va dire, c'est par exemple des groupes à l'ancienne comme les Fugees avec Lauryn Hill. Des groupes rap comme Outkast, du principe que en fait quand t'es artiste tu dois être original, tu dois rajouter ta touche. Donc moi j'aime bien faire des trucs, des choses originales en général. Donc le jazz, là pour par exemple le dernier clip My Love qui est sorti, ouais, c'était un instru assez soul jazzy. Le rap me soul, c'était pareil, c'était un peu soul jazzy. C'est histoire de montrer en fait que je suis assez éclectique et que je m'adapte un peu à tout pour pas m'enfermer dans un seul registre. À vous écrit dingue, seul rap rock, y'a pas de critères. Si le son est bon, musique est le cri de guerre. Moi, rap actuel, je trouve que le hip-hop français aujourd'hui ça va, ça évolue plutôt pas mal. Justement par rapport du fait qu'on retrouve un peu de tout maintenant. Après au niveau des clashs, etc. Bah, c'est quelque chose qui a toujours existé dans le hip-hop, dans le rap. Depuis assez longtemps, c'était par rapport aux esprits de compétition. Après, tant que ça reste de la musique, tant mieux. Quand ça va plus loin, moi je m'intéresse plus à ça parce que c'est hors musique, quoi. Je suis un danger pour la concurrence, donc ils essaient de m'éliminer comme la cellulite. Le rap, le sol, c'est vérité. Bah, mes projets, dans le futur proche, pour mes projets, ça va être mon prochain EP. Il va sortir au courant printemps, je pense mars, printemps 2014. Ça va être un EP de 8 titres, dont fait partie le clip My Love que j'ai sorti début janvier, le 13 janvier, qui a été notamment publié sur quelques sites, dont Rap de France, qui est un site hip-hop français, un site hip-hop français assez connu. Et voilà, ça va arriver donc d'ici mars 2014. Et si seulement je pouvais têche, c'est qu'on d'un seul coup de raquette. Suivez-nous, l'équipe des Monkeys. Il y a plusieurs artistes, hein, je ne vais pas tous les citer. Tiny Reban, Ici Loco, Tedson. Voilà, c'est en 2014, je pense qu'on va faire pas mal de choses. Rest in peace, guys. Et là, je parle des rappeurs en disgrâce. Le rap en pèse, donc je dis stop. D'ailleurs, il me sole, donc je reste distant. Le rap me sole, c'est vrai. T'inquiète, j'ai déjà mis les voiles, moi je suis ready. Suivez-nous aussi sur Twitter, Facebook, facebook.com/mastadims, M-A-S-T-A-D-I-M-S, Twitter pareil, mastadims, SoundCloud c'est la même chose. Et suivez Artivisme sur Facebook, le blog est en train de monter. Voilà. Original, qui conspire, tu kiffes au final. Hey, pas le time dès le matin. Je sais que la clé de sol m'attend. Authentique, original, qui conspire, tu kiffes au final. Hey, pas le time dès le matin.
là qu'est le sort de ma tante. Je prends ce stylo et cette feuille pour m'évader de ce monde. Quelques basses, une petite mélodie et je suis comme un môme. Je trébuche comme un enfant afin de marcher comme un homme. S'il en marche, je...